Salut à tous, c'est Clark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation des nouveautés de chez Burger King. Comme nouveauté, nous avons deux nouveaux burgers plus un nouvel accompagnement. Côté burger, vous avez le chorizo whopper et de l'autre côté le chicken BBQ junk. Donc les gars, c'est simple. Jerk, pardon. Regardez, je me suis trompé, je me crois trop sur Fortnite. Donc jerk, je sais pas ce que ça signifie, dites-moi en commentaire. Donc c'est chicken BBQ barbecue jerk. J-E-R-K. Donc je sais pas ce que ça signifie. Ce qu'il faut savoir chez BK, c'est qu'à chaque nouveauté côté burger, vous avez celui au poulet et au bœuf. Et habituellement, il y a juste la viande qui change dans les burgers. Mais là, il y a tout. Il y a vraiment tout qui change. Parce que là, vous avez du chorizo, c'est côté bœuf. Et jerk, c'est côté poulet. En ce qui concerne le nouvel accompagnement, vous avez les fries chicken. Donc j'allais exprès pour ça, pour les chicken fries. Et je suis tombé sur les deux nouveaux burgers de chez BK. Donc je me suis dit, allez, on prend tout. Seule nouveauté qui manque, c'est les glaces. Donc ils ont fait deux nouvelles sortes de glaces, mais on s'en fout. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris dans la petite vidéo. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. Allez. Juste avant de commencer la dégustation, n'hésitez pas à mettre un petit like, je compte sur vous pour exploser la barre des likes. C'est vrai qu'en termes de nouveautés dans les fast-foods, je suis l'un des premiers sur YouTube France à sortir les nouveautés en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. En ce qui concerne les abonnés, on a atteint les 34 000, donc merci beaucoup pour les 34 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Prochaine étape, les 35 000. En ce qui concerne les réseaux sociaux, tout est dans la description si vous voulez m'envoyer un message. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, Instagram, tout est dans la description. Et en ce qui concerne les partenariats, mon adresse mail est dans la description. Voilà, fini de blablater les gars, on va passer à la dégustation. J'ai vraiment faim, donc on va commencer par les présentations avec les chicken fries. Donc regardez la boîte, elle est toute mimi. Voilà. Je peux te piquer une chicken fries? Bah non. Ah ok, il y a une petite phrase, on s'en fout. Donc je vais vous faire une confidence les gars, j'en ai mangé deux dans ma voiture. J'avais super faim et franchement c'est super bon. On va faire comme si je n'avais pas goûté. Ensuite, avec ça, il y a deux sauces, donc ça a l'air super bon. Waouh, curry mango sauce. Oh, ça a l'air bon ça. Je vais goûter avec les fried chicken. Ensuite, la barbecue. Et en ce qui concerne les burgers, nous avons le chicken jerk. Donc voilà, jerk, BBQ. Et le chorizo whopper. Voilà. On va commencer par les fries chicken, enfin les chicken fries. Seul bémol, c'est que vous ne pouvez pas l'avoir en menu. Moi, je pensais qu'on pouvait prendre un burger avec une boisson plus les chicken fries. Mais finalement, vous ne pouvez pas. Ça reste le classique frites ou onion rings. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pris que des solos. Voilà. Et que j'ai pas pris de menu, malheureusement. C'est assez dommage, mais bon. Pour les chicken fries, j'en ai eu pour 3,90 les 6. On va commencer par en goûter qu'une. Donc, ça ressemble à ça. Sachant qu'ils en vendent par 20, les gars. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vachement épicé les gars, ça sent vraiment les épices. Ça sent, vous savez, les apéritifs Belin là, à la pizza, les trucs qui croustillent, Belin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent pareil et au goût, on va voir si c'est pareil. Franchement, c'est super fumé et c'est super bon. Ça a le même goût que les Belin, c'est le même goût les gars, vraiment. C'est super bon le poulet, on dirait il est bien juteux en plus. Par contre la pâte elle est pas du tout croustillante. Et vous voyez les petites graines noires, bah, ça rajoute vraiment un côté épicé, c'est super bon. On va ouvrir la curry mango sauce. C'est parti, regardez-moi ça. Donc c'est pas une creamy de luxe. Ça se marie trop bien. On passe maintenant à la sauce barbecue. Il me semble que je ne l'ai jamais goûté. C'est parti. Je pense que ça va mieux se marier. Franchement, les deux, ça reste super bon. Je suis déjà à la dernière fried chicken. Ça me fait chier un peu. Donc là, on va faire un combo sauce barbecue avec mango curry. Regardez, c'est stylé. Super bon. Franchement, fried chicken, 9 sur 10. On passe maintenant au burger. Donc, je vais commencer par celui qui me donne le moins envie.
C'est le chorizo grouper. C'est parti, petit déballage. Vous avez un pain classique. Alors dedans, j'ai personnalisé mon burger, j'ai enlevé les tomates et les oignons, c'est tout. Et donc dedans, vous avez... Ah ouais, oh les tranches de ouf. Donc là, nous avons de la salade avec une sauce assez rouge, donc je pense que c'est un peu épicé. Ensuite, en dessous de la salade, vous avez les morceaux de chorizo, plus le steak et un morceau de cheddar, il me semble. Oui, ouais, vous avez un morceau de cheddar. Donc on va refermer ça, on va goûter. C'est parti. Genre, tape un croc. Les gars, franchement, c'est un whopper avec un morceau de chorizo, sauf que le morceau de chorizo, on va dire, il a pas de goût. Je suis assez perplexe, je retape un croc parce que vraiment là, c'est assez bizarre. Il est bon, hein, mais franchement, on dirait que je mange un whopper. Pas un whopper chorizo, un whopper tout court. Le chorizo, on le sent vraiment pas. On dirait vraiment que je mange un whopper. C'est vraiment bizarre. Donc, je retape un énième croc. La sauce, on la sent pas. Pourtant, BK dans leur burger, ils blindent de sauce. C'est assez dommage. Et le chorizo non plus, on le sent pas. J'ai l'impression bah, que je mange un whopper. Franchement, sur 10, allez, 7 sur 10. On sent pas le chorizo ni la sauce. C'est comme si vous mangez un whopper. On passe maintenant au chicken jerk BBQ. C'est parti. Donc là, vous avez le pain du steakhouse. Ah ouais, il est beau gosse. Franchement, il est beau gosse. Donc les gars, à l'intérieur, vous avez... Ah ouais, on donne vachement plus envie. Hein. Alors, une sauce blanche avec de la salade, des oignons frits, du bacon, du cheddar. Et une tranche de poulet frit. Franchement, lui, il a l'air super bon. J'ai bien fait de prendre les deux. Et pour ça vous donne un avis de lequel est le meilleur. Enfin, mon propre avis. Une tuerie. Oh là là. Ah ouais, non, il est super bon, les gars. J'ai l'impression que dès qu'il y a du bacon avec ce pain-là chez BK, le burger il est tout de suite meilleur. Et en plus, le poulet, vraiment, il est super bon. On le sent vraiment bien. Il est bien épicé. Comme les chicken fries. Et le goût, il est vraiment super bon. 9 sur 10, direct. Je retape un croc. Bon, je vous cache pas que j'aurais bien aimé avoir un coca chéré à côté de moi, mais bon, tant pis, j'ai oublié l'eau. Donc je vais vraiment retaper des crocs dans celui-là, il est super bon, c'est mon préféré des deux. Le bout de poulet s'est barré, regardez-moi ça. Super bon. Je trempe le burger dans la sauce mango. C'est parti. Dans la sauce barbecue. Voilà ce qu'il me reste, du chorizo whopper et du chicken jerk BBQ. Donc je vais le finir hors caméra, lui, et celui-là, je vais le mettre de côté.
Donc franchement, le meilleur c'est lui, hein. Ça reste le chicken barbecue. En ce qui concerne le Whopper chorizo, franchement les gars, vous enlevez juste le chorizo dans le nom et vous mangez un Whopper. Et le chicken, il est vraiment savoureux, vous sentez vraiment toutes les saveurs. Et ensuite, vous avez les chicken fries, donc je vous les conseille, mais elles sont pas dans le menu. Vous payez un supplément à côté, donc c'est assez dommage. Je devais le finir hors vidéo, mais il était vraiment super bon. J'étais obligé de le manger. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit like. Je compte sur vous pour exploser la barre des likes. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est vrai que, on va dire, dans le YouTube France, je suis l'un des tout premiers, comment dire, YouTubeurs de dégustation à sortir des nouveautés de fast-food. Dès qu'il y a un nouveau burger qui sort, je suis là, je sors la vidéo directement pour vous la proposer. Donc rien pour ça, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. En ce qui concerne mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!